Good night to you, cher spectateur. Comme tout gros beauf qui se respecte et qui se cache en toi, je suis sûr, je pense que tu kiffes les grosses cylindrées. Tu sais, ces belles bagnoles rugissant au soleil, avec une pépette avec des nibards siliconés monstrueux, le cul posé dessus, encore tout chaud d'une petite course faite juste avant. Ces engins chauffant au soleil pour le plaisir de tes basses, et ces filles à moitié à poil, qui savourent le bonheur d'un petit short alors qu'une bande de mecs en chien les reluquent comme s'ils allaient en faire leur casse-croûte de 4 heures et leur dîner, pour ne plus avoir faim pendant la nuit. Et attention, je ne te parle pas ici de la cylindrée d'une grosse voiture. Hors de question d'évoquer celle de Fast and Furious pour cette émission, c'est beaucoup trop mainstream. Il n'y aurait rien de nouveau à te raconter, mais quand on parle de cylindrée, il y a tellement de choses qui se cachent dans Cinéma Bis. Non, ici on parle de cylindrée bien plus mobile. Et surtout bien plus conne en fait en termes de cinéma. Parce que c'est hyper réducteur, c'est con comme ses pieds, c'est débile, c'est macho, c'est sexiste, et en plus de ça, bah, ils n'arrivent pas à faire plus d'1h20 de film. Parce qu'après avoir rencontré le succès avec Fast and Furious, les producteurs ont décidé de passer à une autre cylindrée, celle de la moto, avec le long métrage Torque. Déjà rien qu'avec un nom comme ça, tu sens le film bien con. Et pour le coup, ce titre n'est que le début d'une connerie qui va te faire jubiler dans ton fauteuil de spectateur. Ta pizza volera en éclats devant la beauté graphique du montage épileptique de ce long métrage, ta bière moussera à la vue du nombre de culs qui se placent devant la caméra par automatisme, et tes zygomatiques vont prendre un coup dur face à la flopée de scènes crétines qui s'alignent pour le plaisir de tes potes et de ta glotte. C'est difficile d'y croire. Et honnêtement, dès le début, on sent qu'il y a un truc qui va pas, parce que le film tente des choses, visuellement, mais soit c'est de la connerie pure, soit c'est fait par un étudiant de cinéma qui s'est dit « j'ai la pratique, mais je sais rien du tout en termes de théorie ». Là-dessus, on ne peut pas dire que le film soit en reste, puisque la plupart des tentatives graphiques de ce long-métrage sont des exemples d'effets de style qui devraient sur le papier fonctionner, mais ici, cela donne tout simplement lieu à un putain d'objet de cinéma qui ne rentre dans aucune case, même pour un critique avec 30 ans de carrière derrière lui. Les personnages sont clichés à souhait, l'histoire est de l'ordre du jeu vidéo du début des années 80, soit quasiment rien, et l'ensemble respire une beaufitude comblée avec brass par la présence d'Ice Cube à l'écran, ainsi que de Tim Cook dans un rôle secondaire qui ravira petits et grands cons. Et encore, t'as rien vu, parce que c'est vraiment arrivé dans les 20 dernières minutes du film que le cinéaste décide d'envoyer du lourd, voire du très très lourd comme dirait Michel, et que là on comprend qu'il faut voir le film non seulement avec un petit peu de fatigue dans le pif pour arriver à rester un minimum attentif devant, surtout qu'il faut une bonne dose de bière dans le gosier. Ces 20 dernières minutes. Mais quelles 20 dernières minutes, un moment de cinéma culte à l'état pur. Une forme de cinéma à mi-chemin entre l'abstrait, le novateur, le concepteur et la connerie pure et dure, emmené par un esprit beau façoué, des placements de produits plus criards tumeurs et des cylindrées qui rutilent plus que jamais. Deux meufs se battant à moto sur fond de soda bon marché et deux mecs faisant vomir leur moto dans un combat final aussi torché que le film est développé dramatiquement sont l'essence même d'un long métrage qui te fait rire à chaque seconde par sa bêtise juste grandiose à regarder. Alors fais mousser ta bière et prépare l'huile de vidange parce que je te promets que Torque va rapidement te faire oublier Fast and Furious premier du nom. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de ton cinéma le mois prochain.